Voilà, alors que on va aller à la rencontre du réalisateur du film, Jean-Stéphane Sauvert, réalisateur de fiction mais aussi de documentaire. Bonsoir, Jean-Stéphane Sauvert, comment ça va ? Pas mal. Pas mal ? Je pensais être plus nerveux, mais ça va pas mal. Ouais, mais ça, c'est le charme des séances de minuit, c'est que je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus détendu, même si souvent on voit des œuvres fortes, dérangeantes, puissantes, c'est le cas de votre film. Racontez-moi comment vous avez découvert déjà le livre de Billy Moore et qu'est-ce qui a fait que c'était pour vous, si vous aviez envie de signer ce film ? C'était une proposition d'une productrice, Carita Daguerre, qui m'a proposé au départ le scénario. Et je suis tombé amoureux de l'histoire, donc j'ai eu envie de raconter cette histoire, qui est une histoire vraie de Billy, qui est avec nous ce soir. Et c'est toujours intéressant quand c'est une histoire vraie, basée comme ça sur son expérience. Et c'était la Thaïlande, la prison, la boxe, l'addiction à la drogue, plein de sujets qui me plaisaient vraiment de raconter dans cette histoire. Quoi. Et du vrai cinéma, beaucoup de scènes tournées quasiment toutes en plan séquence. Enfin, y a une vraie volonté aussi de faire du cinéma, on n'est pas dans du documentaire, parce que c'est quelque chose que vous maniez aussi. Donc on est dans la fiction, peut-être que Billy Moore peut nous rejoindre, vous allez nous le présenter. Mr. Moore, good evening. Bonsoir, congratulations. Félicitations, parce que je sais que vous avez un rôle important dans ce film. Parlez-nous un petit peu, comment vous avez collaboré avec Jean-Stéphane? Alors, on a parlé tous les jours, Skype, email, et on a abouti le film, et puis on est vraiment ravis de voir ce qu'on a accompli là. C'est extraordinaire. Comment tu te ressens? Fort, je me sens fort, comme toujours. Mais ça fait comment de voir ce film sur le grand écran? Ça doit être difficile, non? Très différent de l'expérience d'écrire un livre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose, je me sens un peu submergé en quelque sorte. C'est comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Donc j'ai hâte de voir le film fini. Thank you very much. Merci beaucoup. Et Joe Cole, bien sûr. Good evening, Joe. Congratulations. Bonsoir, Joe, parce que là, vraiment, un rôle incroyable. C'était le corps, dans le corps ou dans la tête, que c'était le plus difficile? Un petit peu les deux. Jean a créé un environnement qui nous immergeait, qui et vraiment il fallait aller bien en tête pour incarner le personnage. Qu'est-ce qui va rester de cette expérience? Qu'est-ce qui va rester de cette expérience? Il y a quelque chose sur votre corps ou c'est des souvenirs dans l'esprit? J'ai rencontré des gens incroyables avec des histoires incroyables et on voulait faire quelque chose d'extraordinaire tous ensemble pour accomplir la vision de Jean et de raconter l'histoire de Billy. Donc c'était la rencontre entre tout le monde avec ses acteurs thaïlandais, avec l'équipage. Donc pour moi, c'était ça le tout. Bah, présentez-nous cette équipe incroyable parce que bah, nous, on l'a vu au cinéma, mais le public va découvrir. Voilà, présentez-les-nous un petit peu. Gang. Good evening. Gang. Bonsoir. Hello. Femme, donc Kang est dans la partie prison, donc ancien prisonnier qui joue dans le film. Femme, qui est notre ladyboy du film. Et Vitaya, qui est venue ici pour Only God Forgives il y a quelques années, le film de Nicolas Refning. Voilà, un mélange d'acteurs professionnels et non professionnels. Bah, on l'avait vu dans Only God Forgives de Nicolas Winding Refn. Ouais. Et il y a une union qui s'est faite rapidement, parce que quand on a des gens comme ça, au parcours si différent, avec des gens qui ont eu des destins très forts et très compliqués, est-ce qu'il y a une union qui se crée quand même rapidement, malgré la barrière de la langue? C'est émouvant de les avoir ce soir. C'est un mélange à Cannes, c'est-à-dire d'avoir fait des acteurs professionnels et des acteurs dont c'est la vie et qui ce soir racontent leur histoire devant tout le monde. Quoi. Et pour moi, c'est important et c'est quelque chose d'hyper émouvant de savoir qu'après avoir passé 10 ans en prison, ce soir, il va pouvoir raconter son histoire devant tout le monde. Et que Vem aussi raconte son histoire de Ladyboy et de l'histoire de la vie. Quoi. Donc c'est important pour nous ce soir qu'il soit là et qu'il soit présent à Cannes avec nous. Quoi. Justement, how did you feel to be here tonight in Cannes? Ça vous fait quoi d'être ici à Cannes ce soir après une vie difficile et compliquée? C'était sans doute difficile le tournage. Ça vous fait quoi de montrer le film ce soir? Pour moi, c'est toujours magique. Quoi. C'est toujours magique.
quelque chose. Bon, ça m'est déjà arrivé une fois, et maintenant que ça se répète une deuxième fois, ça dépasse mes rêves. Donc je suis ravi d'être ici. Pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Je suis vraiment très excité. Merci beaucoup, passez une excellente soirée. Voilà la montée des marches de A Prayer Before Dawn qui commence. Une expérience incroyable pour toute l'équipe, c'est vraiment ce qu'ils ont répété. Et nous accueillons donc l'équipe de A Prayer Before Dawn, menée par son réalisateur Jean-Stéphane Sauvert, qui est accompagné de Joe Cole. Voilà toute l'équipe qui s'avance sur le tapis rouge. A Prayer Before Dawn de Jean-Stéphane Sauvert, ancien assistant de Cyril Collard, de Bernie Bonvoisin. Il avait signé plusieurs courts-métrages comme La Mule, Adios et Matalo, un documentaire en 2003, Carlitos Medellin. Et Cannes l'a découvert en 2008 avec Johnny Mad Dog, présenté en sélection Un Certain Regard, qui avait reçu le prix de l'espoir. Et là, voilà, vous voyez la magnifique Panchanok Maklang et les autres comédiens thaïlandais qui observent un moment de silence et vont rester 89 secondes parfaitement immobiles pour saluer la disparition, il y a peu de temps, de Sa Majesté le roi Bhumibol Adulyadej en octobre dernier. Il aurait eu 89 ans et ils vont donc rester immobiles, ainsi que toute l'équipe du film, pendant 89 secondes. C'est un moment très rare qu'on vient de vivre. Le silence total sur les marches du Palais des Festivals, je ne suis pas sûre que ce soit déjà arrivé. 89 secondes de silence pour honorer la mémoire du roi Bhumibol Adulyadej, disparu en octobre dernier. Et maintenant, la montée des marches peut reprendre avec la traditionnelle pause devant les photographes. Jean-Stéphane Sauvert, le formidable Joe Cole, Billy Moore, auteur du livre inspiré de sa vie, qui a lui-même inspiré Jean-Stéphane Sauvert, et les comédiens Panchanok Maklang, cette magnifique jeune femme, Pania Yimoufaye, c'est cet homme tatoué au visage que vous avez pu voir, qui est un ancien prisonnier, qui est un vrai, vrai personnage, autant dans le film que dans la vie. Voilà, le voici. Et Joe Cole, jeune Britannique de 28 ans, il a souvent joué des rôles de bad boy. Il est absolument hallucinant dans ce film, dans ce rôle de jeune boxeur qui découvre l'enfer des prisons thaïlandaises, inspiré de la vie de cet homme que vous venez de voir à l'image. Billy Moore, qui a eu un rôle actif dans la collaboration, dans la naissance du film, pardon. Il est devenu très proche de Joe Cole, ils ont beaucoup échangé. Et le film est un mélange d'acteurs professionnels, mais surtout non professionnels. Jean-Stéphane Sauvert a passé un an à Bangkok, sans doute pas en permanence, mais un an de casting pour un film en immersion totale à travers le regard du personnage de Billy. Un film tourné quasiment uniquement en plan séquence à l'épaule, et un tournage dans l'une des plus vieilles prisons de Thaïlande, pour un film organique et viscéral, au plus près des corps.
avec donc une toute petite équipe venue d'Europe et une équipe thaïlandaise avec de nombreux acteurs qui en fait sont d'anciens prisonniers, d'anciens boxeurs, souvent incarcérés pour des peines très lourdes et qui ont vécu une expérience assez incroyable avec ce film, comme nous le disait tout à l'heure Jean-Stéphane Sauveur, qui célébrait vraiment, qui voulait rendre hommage à toute son équipe. Thierry Frémaux, bien entendu, qui va accueillir l'équipe de A Prayer Before Dawn. En séance de minuit, des séances de minuit au parfum particulier. Séance certes tardive, souvent consacrée à des films de genre, à des films à ne pas mettre devant tous les yeux. Mais souvent des grands moments de cinéma parmi les... séance de minuit qu'on peut citer au fil des ans. L'année dernière, c'était Blood Father de Jean-François Richet avec Mel Gibson et Dernier Train pour Busan de Sang-woo Yoon. Il y avait eu également Love de Gaspar Noé en 2015, Maniac d'Alexandre Aja en 2012. Un espace pour des films à savourer de façon peut-être moins cérémoniale que lors des montées de marche de 19h. Voilà, et toute l'équipe va à présent rejoindre la grande salle du théâtre Lumière pour la projection. On imagine effectivement que ce tournage a dû être assez incroyable. Joko, le jeune acteur de 28 ans, certes déjà expérimenté, mais confronté à des personnages comme celui que vous voyez à l'écran, Panya Yimufai. Acteur non professionnel, mais puissant à l'écran. Et voilà, sur l'entrée de l'équipe de Prayer Before Dawn de Jean-Stéphane Sauveur se termine cette quatrième montée des marches de la journée. Nous nous retrouverons demain aux alentours de 17h30 pour la montée des marches de 120 battements par minute. Bonne soirée, bonne nuit. Voilà, entrée de toute l'équipe dans quelques secondes pour la projection officielle de A Prayer Before Dawn de Jean-Stéphane Sauveur, qui présente là son deuxième film au Festival de Cannes après Johnny Mad Dog en 2008.